de la frustration, de la colère, des échecs, et encore des échecs. Ça y est, il a fini le jeu. Lionel Messi est champion du monde, les amis. Non, 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 ce n'est pas un exercice de simulation de je sais pas quoi, c'est la réalité. Lionel Messi est champion du monde. C'était son destin, je l'avais dit. Avant même le match contre la Croatie, je l'avais dit, je le sentais, j'avais un feeling, c'est son destin. Parce que ce soir, on va pas se mentir, l'Argentine était à deux doigts de craquer, pas qu'une seule fois. Lorsqu'il y a eu le coup de sifflet final pour les tirs au but, pour moi, c'était quasiment acté parce que c'était encore une fois son destin. On l'a vu déjà que l'Argentine, les tirs au but, ils maîtrisent, mais là, s'ils n'avaient pas encaissé durant cette prolongation, déjà qu'ils avaient réussi, tu réussis quand même à mener trois fois au score, tu te fais remonter. On va parler bien sûr de certains criminels dans cette équipe d'Argentine, mais réussir comme ça à se faire égaliser trois fois dans un match, ils sont pas passés loin de la catastrophe. Déjà, tu mènes 2-0, tu maîtrises un match de la tête et des épaules jusqu'à la 70e minute, jusqu'à ce qu'en gros, Scaloni, je l'avais dit d'ailleurs sur Twitter, dès qu'il a fait le changement, il a sorti Di Maria, qui faisait un match exceptionnel. Bon, peut-être qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes parce qu'il revient de blessure. Donc il sort Di Maria, mais moi, c'est pas tant le problème de sortir Di Maria qui me dérange, mais plus de sortir Di Maria pour faire entrer un latéral gauche pour jouer sur l'aile gauche. C'est-à-dire que là, tu envoies le message de peur. C'est-à-dire que là, ça y est, on mène 2-0, on est prêt à subir, on va vous laisser le ballon, mais faites ce que vous voulez, nous, on est tranquille derrière. Et bien, c'est pas ce qui s'est passé. Tu laisses le ballon à une équipe comme la France, ils vont te faire mal, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce match, l'Argentine aurait dû le plier dès la première mi-temps, voire la deuxième mi-temps, parce que la France n'arrivait pas à sortir les ballons, ils n'arrivent pas à enchaîner deux passes, parce que le pressing de l'Argentine était cohérent, ils étaient agressifs sur le porteur de balle, et ça joue au ballon à l'Argentine. Du coup, Cette mentalité un peu minimaliste a failli leur coûter une Coupe du Monde. Mais vous savez quoi? On s'en fout aujourd'hui. Peu importe ce que voilà, Scaloni a fait ou a pas fait, ça y est, ils sont champions du monde. C'est le plus important. Peu importe s'il veut maintenant, il peut faire des compositions bizarres en fin de match. Moi, ça y est, Messi est champion du monde, c'est tout ce qui m'intéresse. En ce qui me concerne, je vais plus me taper les matchs de judo en Copa América à des heures pas possibles. Ça y est, l'objectif est atteint. Lionel Messi est récompensé. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Et quel joueur!
joueur. Honnêtement, la carrière de ce bonhomme, du début à la fin, c'est comme une histoire qui a été écrite dans un livre, en fait. Parce que qui aurait pu imaginer que sa dernière Coupe du Monde, même le scénario de sa dernière Coupe du Monde, soit enfin celle de la consécration de cette manière-là. Parce que là, pour le coup, l'Argentine n'a pas eu un parcours facile, comme certains auraient voulu nous le faire croire au début. C'est une Argentine qui a affronté tous ses démons. C'est-à-dire que là, c'est comme si on a pris l'Argentine, on lui a dit « Tu vas affronter toutes les équipes qui t'ont humilié par le passé, notamment la Croatie, la France, qui a été ton cauchemar lors de la dernière Coupe du Monde et qui a failli l'être encore une fois de plus durant cette Coupe du Monde. Tu vas les affronter un par un si tu veux aller chercher cette Coupe du Monde. » Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il faut saluer cet esprit de résilience de la France qui n'abandonne vraiment jamais. C'est une équipe extrêmement dur à jouer, la France. C'est une équipe qui a de l'avenir, pour moi, de toute façon. C'est pas besoin de le préciser, c'est clair. Aujourd'hui, tu vois un mec comme Mbappé, 24 ans, il te met un triplé en Coupe du Monde. À 24 ans comme ça, déjà que la dernière Coupe du Monde, c'est l'un des acteurs majeurs. Et ce soir, il est à deux doigts de ramener une deuxième Coupe du Monde à la France. Là, c'est parce qu'il y avait tout simplement un autre extraterrestre de l'autre côté du terrain qui, lui aussi, était déterminé à ramener cette Coupe du Monde. Et l'Argentine était déterminée à ramener cette Coupe du Monde pour Messi. C'était son destin, encore une fois. Parce que Mbappé, au bout d'un moment, il était en transe. Le mec, t'avais l'impression qu'à chaque touche de balle, ça pouvait faire but. Donc voilà. Énorme respect pour ce joueur. Il m'a encore une fois bluffé. Mais ce soir, c'est la victoire de Lionel Messi. Ce soir, c'est la victoire du football. Aujourd'hui, le football a récompensé le meilleur joueur de l'histoire. Ça y est, là, pour les personnes qui ont besoin d'un titre international pour Messi, pour le considérer comme le meilleur de l'histoire, ce soir, ça aurait pu être différent, parce que Lautaro Martinez avait décidé de saboter l'Argentine, tout simplement, de faire pire pour moi que Gonzalo Higuain en 2014, sans compter le fait que Otamendi derrière, alors qu'il aurait pu remiser tranquille un ballon, il offre un péno qui relance totalement la France. Donc, à cause d'erreurs individuelles hors de son contrôle, ces personnes-là auraient pu continuer aujourd'hui à croire que Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Juste, voilà, aujourd'hui, ça a été pas que lui, Messi, et pourtant, l'Argentine a réussi à aller chercher ce trophée au tir au but. Donc voilà, moi, je n'ai pas attendu le trophée, le titre international de la Coupe du Monde pour le considérer comme beaucoup d'ailleurs, mais aujourd'hui, je pense que ça y est. Maintenant, pour les personnes les plus sceptiques, Messi n'a plus aucun rival. On peut le ranger avec les Maradona, les Pelé, mais pour moi, il est au-dessus. Du début à la fin de cette compétition, il a porté l'Argentine, il a répondu présent. Encore un doublé ce soir. Du début à la fin, ça a été que ça. Messi a été présent. C'est pas un type qui a été porté uniquement par ses coéquipiers. Non, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Tu enlèves Messi de l'Argentine, l'Argentine n'arrive pas en finale et l'Argentine ne gagne pas la finale. Donc Messi mérite totalement toutes les louanges qu'il va recevoir partout dans le monde. Merci pour toutes les émotions que tu m'as procurées en tant que supporter, en tant que fan de football lambda. Ça m'a, voilà, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens actuellement. C'est que du foot. Je sais, c'est que du foot. Et pourtant, ce soir, ça dépasse totalement le cadre du simple football. Cette soirée du 18 décembre restera à jamais gravée dans mon esprit, dans mon cœur, dans le football, dans l'histoire du football, tout simplement. Donc, merci Lionel Messi. Merci.